look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. Du coup, bonjour, bonsoir, là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de The Last of Us Partie 2. Nous nous retrouvons 4 ans plus tôt. Je me rappelle qu'elle a bien grandi. Hein. En 4 ans. Et oui, du coup, c'était à Violet dans l'épisode. Donc j'espère que vous allez bien. Et on continue. Voilà, on est dans le passé, on est 4 ans plus tôt. C'est peut-être 8 ans, je sais plus. Merde. Bon, c'est pas grave. Que je l'aime un peu plus MDR. Nope, 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 nope. C'est mort. C'est mort. Je l'aime pas du tout. C'est pas vrai. T'as eu peur? Bah tiens, bien fait pour toi, ça. Chouin, là. Ah, je vous ai épargné. Hein. Voilà comme vous nous remerciez. Vous avez puté Joël, putain. Pardon. Bon, faut que je monte ici. Non, faut que je monte ici. Ça a marché. Hop, et c'est étonnant que la bouteille se soit pas pétée. Hein. Virginie. 1978. On peut pas passer par là. Je peux peut-être monter sur le toit. Quoi? Ah oui. C'est parti. Abby. Le croisement génétique de Serena Williams et de John Cena. This is me to John Cena. Tu 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 tu. Tu 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 tu. C'est bizarre, j'ai moins peur quand je la contrôle. Je m'en fous un peu. La classe, Abby. Le jeu n'est pas tout noir, mais une nuance de gris coco. Eh, va te faire bouffer là. Tiens, les... ah tiens, dans ta gueule. Ah. Abby. Chet. Tu as de la boue un peu partout, chérie. T'en as aussi. Où ça? Juste là. Oh. Tu sais, à chaque fois que tu disparais, c'est moi qui me fais engueuler. Arrête. C'est dur à croire, mais il s'inquiète pour toi. Y a aucun danger ici. Papa. Abby, elle est dans le coin. Je l'ai vue de l'autre côté de ces arbres. Et alors? Quoi? La biche. Elle va bientôt mettre bas. On l'observe juste un petit peu et on rentre. Je te le promets. 100% c'est une biche. D'accord, mais on se dépêche. Heureusement, j'ai ma petite fille pour me protéger. Sale con. Sale con. Oh, tu savais que j'étais ici. Owen a vendu la mèche, c'est ça? Trace de pas. Il a fait ce qu'il fallait faire. Comment t'as fait pour qu'il parle? Je lui ai demandé. Hé, hey, regarde un peu ça. Oh, waouh. 1978. Je l'ai pas dans ma collection, celle-là. Elle est à toi. Si tu promets de jamais refaire un coup pareil. Alors, marché conclu. Je te crois pas du tout. C'est vraiment mal me connaître. Allez, viens. On s'y remet. À couvert. Papa. Détends-toi. Tu retrouveras Owen dans pas longtemps. Qu'est-ce que... Non, rien. Tu passes beaucoup de temps avec lui en ce moment. Plus que d'habitude. Oh mon dieu. Tiens, casse-toi la gueule là. Depuis quand t'es au courant? Tiens, traîne dans la boue là. Je sens ces choses-là. Vous faites tous les efforts du monde pour ne pas vous regarder quand je suis là. J'en peux plus. Et il te fait rire. C'est parce qu'il est un peu idiot. Tiens. Il se montre plus gentil. Fais-toi mal. Fais-toi mal. Abby, regarde. Situation. Des traces récentes. Tiens. On va voir si on peut trouver autre chose. Attends un peu. Ce serait pas une manière détournée de m'apprendre le pistage par hasard? Et ça? Ça fait mal au bras. Et ça marche? Ben, j'ai retrouvé ta trace. Oui, mais... Tu as triché. Sois prête à tout pour réussir. Tiens. Wow. Le poteau. Ça t'arrive donc d'écouter. Voilà. De génie, parfois. Elle est toujours pas morte. Putain, bah je peux continuer encore longtemps. Hein. Cette NMDR. Mais on fait quoi là? Tiens. Karma, ça. Putain, c'était quoi de base?
papa, j'ai trouvé quelque chose. Ah, oh, c'est pas vrai. Elle a déjà mis bas. Ah. Et regarde, deux paires de traces. Papa. C'est elle. On y va. Elle a pas l'air bien. Non. Comment ça, c'est elle? Elle souffre. What? C'est un cheval, c'est quoi? Vie. Allez. Papa, attends. Attends, sur le béton là. Sur le béton là. Ah, voilà. Ah là, t'es dû avoir bien mal. Un T-Rex. Évidemment. Tiens là, sur le béton là. C'est quoi ce bruit? Oh, merde. Abby. Laisse-moi passer. Ah, un zèbre. Il faut qu'on la libère. Tout va bien, du calme. T'en fais pas. Oh. Pas te faire de mal. Tout va bien. Merde. Elle est vraiment coincée. Oh. Ok. Abby, viens ici. Tiens. Je vais la tenir. D'accord. Ok. Doucement. Doucement. Doc, vous êtes là? Par ici, Owen. Mais... S'il te plaît, viens m'aider à la tenir. On a besoin de vous. Owen. Tiens là. Allez. Attention. Ok, tu la tiens bien. Ouais. Ok, à toi de jouer, Abby. Mais doucement. J'ai eu mal pour lui. Oh putain de merde. Tout le monde vous cherche. Attendez. Papa. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Attends. Oh. Qu'ils ont fou là? Il commence à pleuvoir. Chez moi. Ah. Je mute du coup parce que ça risque d'empiéter sur la vidéo. La fille est arrivée. Quelle fille? Celle dont Marlène parle tout le temps. On l'a trouvée dans le tunnel. Elle a une vieille morsure au bras. Aucun signe d'infection. C'est pas possible. Ils sont déjà en train de faire des tests, mais faut que vous alliez voir. Papa. On y va. C'est relié au cerveau, on n'a pas d'autre choix. Il doit y avoir un autre moyen. On ne peut pas prélever le spécimen sans détruire l'hôte. L'hôte. C'est une enfant, pas une boîte de pétri. Tu crois que je... J'ai conscience de ce qu'on doit faire. Tu veux parler de la tuer, non? Non, je veux parler de créer un vaccin qui sauvera des millions de vies. Combien de lucioles sont mortes pour moins que ça? Parce que c'était leur choix. Tu demandes mon avis ou t'as déjà pris ta décision? Marlène, je veux que tu sois de notre côté. Et si c'était Abby? Écoute, tout ce qu'on a pu faire, tous ces sacrifices, toutes ces atrocités... Tout ça serait justifié par cette seule action. Si on parlait de ta fille, qu'est-ce que tu ferais? Abby. Je t'ai apporté à manger. Merci, ma chérie. Écoute, Marlène... Fais-le. Merci. Je vais prévenir Joël. Pourquoi? Il a traversé tout le pays avec elle. Il a le droit de savoir. Bonne chance pour l'opération. T'as
pris la bonne décision. Si c'était moi, j'aurais voulu que tu m'opères. Alors, j'ai une petite question, est-ce qu'on entend la pluie? C'est un peu calmé, mais pendant la cinématique c'était très fort, mais il pleut encore. Est-ce qu'on entend ou pas? Parce que ça, c'est un peu fort. Bon, tout s'explique, c'était le médecin, tout ça. Ouais, c'est pas gênant. Donc bon, de toute façon je vais me remuer, il va y avoir une cinématique. Putain, il est encore dans les parages. Abby, non Abby, regarde pas. On est là pour lui, c'est tout. C'est trop risqué de le laisser partir. Non, mais tu t'écoutes. Il a raison. Il faut finir ce qu'on a commencé. Si on les tue, on vaudra pas mieux que lui. Ils ont rien fait de mal. Ah ouais? T'as vu ma gueule? Je l'emmerde, ta gueule. T'aurais dû monter la garde là-haut, comme je te l'avais dit. Bouge! Recule! Tu te calmes! Ou quoi? Recule! Putain! Calmez-vous! Jordan! Tu vas me buter. Stop! C'est fini. Abby? Oh. Du calme. Ça va pas, Abby? Ouais, ça va. Et toi? Je t'ai cherché partout. On a besoin de nous. Isaac nous demande sur le front. Quoi? T'es sérieux, là? J'en ai bien peur. Faut qu'on y aille. Quoi, là, tout de suite? Ouais. Vámonos. Ok. Bon, j'ai baissé un petit peu le gain pour éviter qu'on entende trop la pluie. En fait, merci de m'avoir laissé la chambre hier soir. De rien. De rien. Cette fois, la fille qui cuisine. Non, celle de la météo. Allez, vite des cinématiques là. Vite, faut vite me mute. Oh, la télé alors. Sympa. Ouais, sauf qu'elle est un peu trop obsédée par son boulot. Ouais, je vais me parler d'une tempête et... J'ai toujours la cam, mais je vais mieux. Et ça valait le coup? Oh, carrément. Je peux mourir heureux maintenant. Tu m'étonnes. Tu pourras pas trouver mieux qu'elle. J'arrête pas de me dire la même chose. Bonjour, mademoiselle Potts. Bonjour, Mamie. Elle aussi. Faut que je parle à mon père deux secondes. Tu me prends à manger? Ouais, d'accord. Prends-moi un truc comme picante. T'auras ce que t'auras.
Scar est à genoux. Tu vois, il est en train de prier. Rien à foutre. Et là, cet enfoiré, il essaye de me planter. Remercie Owen sans qui le jeu n'existerait pas. Pourquoi tu dis ça? Aussi, Abby. Ah oui, parce que oui. Oui. Bon, clairement, c'est... C'est pas parce qu'il y a tout ça. Bah, c'est une pute, c'est tout. Salut, Jordan. Tu viens avec nous au Cerevena? On doit aller à la base, avec Manny. Qu'est-ce que tu vas faire au Cerevena? Il faut qu'on aille évacuer l'hôtel et l'école. On prend le matos et on ramène tout le monde à la base. Sérieux? Ouais, j'arrive pas à croire qu'après tout ça, on se replie. On sait pas si c'est ça. Au moins, Léa reviendra plus vite de la station télé. C'est déjà ça, ouais. Faut que j'y aille. Que ta vie soit longue. Et que ta mort soit rapide. Hello des putas. Je passe beaucoup de temps avec lui. Oh non, mais c'est bon, je vais... Non, mais putain. Je peux parler à tout le monde. Je m'en fous là, il me saoule. Ah, Abby. Abby, toi, faut que t'arrêtes la drogue. Je vais très bien. Tu voudrais pas lui demander d'enlever ça? Non, j'ai essayé. Eh, hey, ça me va bien. Tes vêtements horribles. Manny. Bueno, faut qu'on y aille. Fais attention à lui. Pour vous? Bien sûr. Non mais, c'est bon. On va pas parler à tout le monde. Des burritos. Encore. Ok. Abby, qu'est-ce que tu fais? Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Eh, dis donc, tu pourrais faire la queue. Putain, bah Manny, oui, de ouf. Excuse-moi. Attends ton tour, comme tout le monde. Désolé. On doit aller au front, ok? C'est hyper embarrassant. T'en prends trois? Prends-en un. T'énerve pas. Mel vient avec nous. Manny. Tu fais la queue? Je vais te défoncer. Pourquoi tu me fais ça, hein? Parce que vous êtes mes amis. Et que j'en ai ras le cul de vos histoires. Elle est au courant que je viens, au moins? Ouais. Et elle est d'accord? Ouais. Pourquoi quand tu dis oui, j'entends non? Peut-être parce que j'articule mal. Allez, arrête un peu d'être parano. J'ai l'impression que ça t'éclate de me mettre mal à l'aise. Tiens, non, profite de pouvoir bouffer, dans pas longtemps t'es morte. De faire la paix et enfin passer à autre chose. On s'est à peine adressé la parole depuis Jackson. Je suis censé faire comme si rien ne s'était passé? Bien sûr que non. Faut juste que vous en discutiez. Elle voulait la peau de Joël tout autant que nous. Mais tu sais bien qu'elle est pas comme nous. Elle avait encore jamais fait un truc pareil. Tu parles, elle... Elle tue des Scars à tour de bras. Ouais, mais pas comme on a tué Joël. Je te rappelle... On est des troufions, non? Elle, elle est médecin. Fais un effort, Abby. Elle fait partie de la famille. Fais-le pour moi, d'accord? Je vais essayer. C'est tout ce que je demande. T'es vraiment, t'as fini de bouffer, là? Sale grognasse. Pardon, je suis très vulgaire. Prépare tes affaires. Je vais chercher Mel. Ouais. Sois gentil. Va chier. Bande, j'ai un peu peur de comprendre ce qui va se passer. On va quand même pas se taper tout... Enfin, entre guillemets, se retaper le jeu avec elle, quand même. Une scientifique, hein? Oh. Genre dans le sens où... Tout ce qui s'est passé avec Ellie durant les 3 jours, on va le refaire avec elle. Je suis pas trop d'accord. Non. Je ferai ça plus tard. J'ai pas très envie, je t'avoue. Je préfère continuer avec Ellie plutôt que de me retaper le passé pendant une dizaine d'heures, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, ça me tente pas trop. Toc toc. Qui est là? C'est moi, j'ai mis des grenades dans ton froc. Salut. Salut. Ils t'ont déclaré apte pour le service? Pour l'instant. Ils te mettront au repos si tu demandes. C'est mort. Non, je préfère rester active. Pour la rediff, il y a quelqu'un qui fait Paris que Ellie et Abby vont finir ensemble. Hors de question. Et Owen est d'accord? Il devrait décider à ma place. On prendra Alice en partant. Hey.
baiser encore. Ça a duré un petit moment. Oh, relou. Casse-la vite, casse-la vite. Oh. Je propose de la faire tuer sur chaque ennemi possible de toutes les manières possibles. Ça va prendre beaucoup de temps, mais j'en ai rien à foutre. Et qu'est-ce qu'ils te veulent exactement ? C'est juste une patrouille de routine, t'inquiète. Et ça t'embêterait d'aller voir mon père à ton retour ? Il a l'air, je sais pas, mal en point. Comment ça ? Bah, en fait, il se plaint de fortes douleurs dans les poignets. Il peut à peine tenir une cuillère. On peut peut-être lui donner plus d'antalgique. Il paraît qu'Owen et toi, vous êtes dans la section 96. Ouais, c'est sympa. C'est plein de jeunes parents. Vous devez être impatient. Quel bébé arrive ? Voir tous ces enfants courir partout. Ouais, je me prépare. Ouais, bah... tous ces mioches qui braillent. Tu veux te faire zigouiller ? Owen doit devenir bien. Il a encore rien vu du tout. Attends, juste petite pause. En fait, t'as eu le colosse en solo avec elle, du coup. Violent les bestiaux par rapport au 1, non ? Alors, j'ai eu le colosse que j'ai un peu plus galéré dans le passé. Le colosse que sur lequel je suis tombé tout à l'heure. J'ai mis 2 molos, 3 flèches explosives, 1 balle de pompe, il était mort. Je l'ai défoncé. Sale. Juste pour info, on est d'accord que... pas Eddie, putain, je ne suis jamais... Abby, j'ai regardé le chat. on est d'accord qu'Abby a dit à Owen, ouais, tu l'as mis enceinte. En mode, t'es sérieux ? La meuf, t'as vu la taille de son ventre ? Comment tu pouvais ne pas te douter qu'elle était enceinte ? C'était hier que tu l'as découvert ça, c'est un truc de ouf. Il est en patrouille avec Danny. Danny ? Aïe. Pas de bol. Ouais. Merci. Mais en vrai, non, pas tant que ça. Genre, elle est partie se venger assez vite, non ? Ellie. On emmène Alice. Elle joue à l'intérieur. Super. Abby, tu vas la chercher ? Oh la gueule. Ah putain, j'attendais comme un con. Eh hey, ma belle. Salut grosse bête. Hey, voilà ma préférée. La seule qui te supporte, ouais. Sois pas jalouse. Hein. Hey Al, tu veux voir les camions ? Allez, on y va. Oh, salut Grisou. Bon, ok, mais juste parce que t'es gentil. Monsieur qui est le meilleur. Ouais. Ouais. Fais la maline. Tiens, va chercher la balle. Oh merde. Tu vois le toutou que tu as tué ? C'était lui ! Donne-moi la balle. Vas-y. Va chercher ! Ah ! Désolé, c'est ma faute. Chais ! Je t'ai pas aperçu avec Jen hier soir. C'est possible. Impitoyable. Impétueux. Un truc pour Isaac. La vache, elle a trouvé le cornon là-haut. Ça a l'air de lui plaire. Tu l'entendrais parler de Cumulus. Bah, je pense que c'est lui en plus. Salut, Abby. Au moins, elle est pas obligée de se battre, elle. Salut. Je trouve pas que ce soit un avantage. J'aimerais bien y échapper. Et juste soigner des je lève, repose en paix. Salut, Pat. Hey. Bon, je m'en fous, costaud. Plein de cœur, bébé. Coucou, Michel. Salut, Pat. Comme d'habitude. Ça marche. Gracias. Grassement. Y'a quoi comme bagnole ? Prenez la S24. Je conduis. Tu signes. Pantero. Que ta vie soit longue. Hello de puta. Que ta mort soit rapide. Oh, j'ai trop envie de revenir dans le présent. Ils sont. Oh, c'est les bâtards.
En vrai, c'est des putains de bâtards. D'accord. On verra. On verra. Faut que je fasse quoi? Eh, et si on se faisait un petit concours? Vas-y, je vais te défoncer. On joue gros. Je vais pas tirer dans les cibles, sachez-le. Okay, le jeu me tente trop là. Vas-y, sors ton flingue. Sors ton flingue! Putain. Bip! C'est quoi le but? Mais c'est rincé le truc. J'ai réussi à me fail, mais... C'est rincé. J'aime que mon lit soit bien fait. Chier. Hey, on n'a pas dit quand je ferai le ménage. Sois pas mauvaise perdante. Tiens, dans ta gueule. Karma, ça. Bon, attends, je refais histoire de faire le meilleur score possible. Une petite question. Mais non, mais je veux tirer sur les champs. Faut qu'on aille à la base. Il reste des munitions si vous voulez. Ouais, bah je vais en reprendre du coup. Bon, je vais pas trop faire le con non plus, je vais économiser et tout, mais... J'ai ouais. Pas envie de jouer avec cette chouin. Non, toi aussi tu m'as manqué. Allez, Zou. Va devant. Mais elle est enceinte. L'air frais lui fera du bien. Comme ça, vous pouvez papoter. Très subtil. Bon, bah. T'avais un trophée en bâton, Manu. Bon. On fout un peu. Gracias. Gracias, muchas gracias. Vas-y, SCD. Putain! C'est vraiment des salauds. À chaque fois, t'as envie. En fait, souvent, tu retournes dans le passé, t'es en mode. Tu t'en fous un peu, t'as envie de savoir comment ça va se continuer. Quand t'arrives à la fin du truc du passé, t'as envie de savoir comment ça continue le passé et tu reviens au présent. Tu reviens au présent, t'as envie de savoir ce qui s'était passé au passé, sauf que du coup, bah, tu reprends le présent. Et au présent, quand t'as envie de continuer de savoir le présent, tu retournes dans le passé. Et si ça s'enchaîne comme ça, c'est horrible! Ça me saoule! Non, ça va. C'est pas grand chose. Non, j'ai juste besoin de me fatiguer. J'ai pris plein de missions supplémentaires. Faut aller loin. Comment ça? Salut, Manu. Vous allez où? Au 2. Camion S24 au secteur 2. Je suis pas sûr qu'Ophi serait team Abby, hein. On a perdu une poserie ? Ouais. Et vous avez prévu de la reconstruire ? Non, Isaac dit que c'est pas une priorité. On pêche pas mal de saumon sauvage. Ils vont se prendre un sale truc, là, c'est sûr. Tu veux dire quoi pour moi, Owen ? Je l'ai pas vu depuis 2 semaines. Il arrête pas de prendre des missions. Tu lui as parlé? Il t'a dit quelque chose? On se parle jamais. Enfin, je le croise au réfectoire, mais on s'évite l'un l'autre. Jackson là. C'est peut-être que ça. Oh, allez, tiens. Accrochez-vous! Tuez les Wolves! Bon, d'accord, je vais buter. Approchez-vous!
Ils vont vite les chevaux, hein. Attends. Bon, j'ai fait un peu le con. Je crois que c'est un Iron Impact. Tiens la porte comment ? Oh oui, c'est pour la bagnole. Ah, mono ! Mono ! Ah, je l'ai dit, hein. J'aurais dû conduire, je le savais, je sais pas tirer. Et ouais, Michel, pourquoi pas, on verra. Je regarderai le jeu si ça m'intéresse. Pour avoir écofi, tout ça. On est loin de la base avancée. Plutôt. On est trop exposé. À l'intérieur. Bon, j'ai pris un peu chier là. Allez, comme ça on est bien discret. Allez, on va sécuriser la zone. Je vais y aller quand même bourrin, je vous le dis. Oh là. Oui. Il y a assez de matos pour fabriquer un tuyau explosif. C'est bien. Il y a plein d'endroits où se planquer là-dedans. C'est bien. Tiens, vas-y, crève là. Fais-toi bouffer là. Hop. Juste au moins un, quoi. Voilà. Oh oui. Oh oui, vas-y. Fais-toi bien défoncer là. Ah. Je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Mais d'où elle a le mode écoute, mais copiteuse. Il est fatigué, lui. Il met un coup de couteau, fait un effort. Juste pour savoir, je peux les ouvrir, c'est pas. Oh. Raccourci. On la quétale. Non, ce sera difficile pour ce runner. C'est bon. Ouais. Non, je suis pas d'accord. Elle a eu la même réflexion que moi. La voie est libre. Je suis pas d'accord. C'est vachement mieux que de picoler en regardant la télé. Hein? Non. Hey, regardez là-haut. On voit de la lumière. C'est peut-être une torpille. Je vais monter pour voir ce que c'est. Ah, vas-y, fais-moi monter. Non. Comment je monte? T'es le toutou. On aurait pu envoyer le toutou bouffer les infectés, ça aurait été réglé. Moi, bon, je suis pas sûr que ce soit le bon plan, mais bon.
Ah, j'ai trouvé. Non, je n'ai pas trouvé. Comment je monte? Aide-moi le jeu. Là, ça a l'air d'être praticable. Pas du tout. Tu m'aides à monter? Non, il c'est pas là-dedans. Comment je monte? Là. J'ai trouvé. C'est parti. Oula, où est-ce que tu vas? Ouais, tout un parcours. Comme si ça avait été fait exprès. Oh non, non, pas les... Mais non, mais non. Non, mais je sais pas que ça a à foutre. Coco, regarde comment Abby se déplace avec grâce. Grâce, je sais pas. Grâce plutôt. Ah, je pense que c'est plus de muscle, Abby, hein, clairement. C'est clairement pas du gras. Elle va tomber de l'autre côté, cette grosse conne. Abby! Allez, tiens! Oh, comment c'est appréciable. Non, mais là, dans ces moments-là, tu fais plus de bruit, tu fermes ta gueule. Oh, le chien! J'ai mieux fait de pas tirer. Mais tiens, elle va être malade! Run for your life! Run for your life! Run for your life! Je tente des choses, coucou. Ah, elle a pas beaucoup de cardio. Elle ralentit. Ah! Ah! Ah, ça picote. Une seconde, je me heal. Ah, ça je prends. Ça va pas heal. Ah! 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 J'arrive! Le chien il veut pas tous les buter là? Ah, je suis mort là. Bah oui. Bah, tu passes comme tu veux. Quoi? Tu passes quand tu veux, une bière fraîche pour toi. Deux secondes, on remplace le micro. Salut toi! Hey, je vois que vous gérez, je vois que à vous. Et là, il sert bien au flingue. On continue! Ça se passe bien? Non, non, allez, tire, tire, tire! Voilà! Pareil, lui, pareil! Attends, j'ai l'autre de lui. Boum! Oh! Le chien qui est efficace. C'est bon, vous démerdez! Ah, puant, 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 péter. Chou péter. Oh putain, il va vite! Mais non, mais abruti, elle retourne dessus! Qu'est-ce qu'elle est conne! C'est bon? J'ai collé. Rien de cassé? Ça va, mais j'ai plus beaucoup de munitions. J'ai le droit de dire que c'est une planque de merde. Ouais. C'est une planque de merde. On va sortir d'ici. Voilà! Les infectés, je suis là! Pardon, je crie un peu fort. Oh, pas de vie. Vas-y, j'ai pas envie de jouer avec elle là. Je veux retourner au présent, ça me saoule. Je crois que j'ai trouvé une sortie. Cool. Y'a pas une batte? Si, c'est bon. Oh, j'espère qu'on va y avoir un petit colosse là. Manu. Je veux voir la mort de madame en se faisant écarteler. Honneur aux dames. Dans un mois, je passerai plus du tout. Vas-y, Abby. Bon, dans un mois, tu seras morte, ma grande, même pas. Tu seras morte avant. On va te planter la gorge, ma petite dame. Bon, je passe déjà pas. Ok. Abby, quoi? Ça me rappelle la serre de ton père. Je vois pas pourquoi. Pourquoi tu parles de mon père, là? Il est mort, mon père. C'est pas faux. Et toi, t'es bientôt morte. Vous savez quoi?
C'est peut-être une je suis un peu violent. Hein. Vous aviez besoin de ça pour vous rapprocher. La ferme, Manny. Vous voyez, ça marche. Putain, mais il va vraiment falloir fouiller avec elle, là. J'ai pas envie. Tu serais mort pour cause de visiter. Bah, à mon avis... Pour que t'arrives dans ce cas-là... C'est bien que t'aies survécu jusqu'à... longtemps après. Or, je suis pas sûr qu'on survit longtemps, nous. Je sais pas. Enfin, moi, perso... Je sais pas si je survivrai très longtemps. Hein. J'essaierai, hein, mais avec la chance que j'ai... Moi, je serais capable de tomber sur un colosse... Une semaine après l'infection. Alors que normalement, il faut 20 ans. Deux bons de fin. Je survivrai. Nanana. Oui, je survivrai. En fait, je pense... Moi, vraiment, je serais tellement flippé. Genre, je sortirais pas de chez moi, quoi. C'est les rêves de parents, ça. Bon, faut que je fasse quoi, concrètement? Ah, trouver. La base est droit devant. Pas de car en V. Ils sont là. Ouais. Allez, on continue. Oh, le mec. Bon sang. Vous vous souvenez qu'on pouvait passer par là sans se faire attaquer par les scars ? À la prochaine. Tu regrettes l'époque de la trêve ? C'était la belle vie, hein ? Un peu trop belle. On leur a fait confiance. Et ils ont pendu toute une escouade. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'on a flingué ces gosses. Peut-être bien, mais ces gosses ont attaqué nos gars. Qu'est-ce t'aurais fait, toi? J'en sais rien. Pas les criblés de balles, en tout cas. Ouais, bah pour moi, nos gars passent avant tout. Manny, c'est juste des gosses. C'est pas leur faute. C'est pas la nôtre non plus. Tous ces morts, c'est à cause d'eux. Je le dis. Oh, le pire, ce serait la bouffe et l'absence de douche régulière. Surveillez bien les environs. Allez, tombe là. Tombe à plat ventre là, meurs. On devrait être de l'autre côté de la clôture. On coupe par l'intérieur. Ouais, ça nous a vachement réussi la dernière fois. T'as autre chose à proposer, Manny? Non. Et ses outils? Je suis juste énervé. Tu fais chier Little. Il a dit quoi avec la... Putain, il commence à pleuvoir de ouf, ça me saoule. Je crois que je vais m'arrêter là en vrai. Il est 2h du mat, bientôt. Attends, le petit screamer, avant d'aller se coucher. Il y a quelque chose qui bloque la porte. C'est un colosse. As-tu l'orage aussi? Oui. Là-haut. Quoi là-haut? Oh, effectivement. Hop là. Manny, va voir en haut. J'y vais. Oh, je voulais y aller, un petit screamer là pour finir. Je sais plus où t'habites, Michel. Je sais plus si on en a déjà parlé. Allez, il fait le tour comme un grand. Oh! C'est bon. Vas-y, grimpe. Mel, reste avec Alice. Je vais essayer d'ouvrir cette porte. Avec ma chatte, le Lidl serait rempli d'infectés. Oh, il y a un petit orage là, je l'ai vu. Alors? What's up? Toujours pas de scar en vue. Encore. Non, vas-y, tombe. Ouais, c'est clair.
C'est ça que j'avais fait avec Ellie, Alex. Oh, attends. J'ai dit que j'allais la tuer 100 fois. On a combien? 7 là? Allez, c'est parti. 8ème. Moi, j'ai une leader précise, j'aimais personne. Putain. Non, mais. C'est vachement haut. Ouais. C'est bien. Attends, attends, attends. Je prends un peu plus de hauteur. Mais non, mais. Grimpe là-dessus. Mais. Grimpe. Idiote. Mais. Ah Marathon mort d'Abby. Le premier à 100, il a gagné. Allez, une petite dernière là pour le. Oh, attends. Oh non, oh. Bon, allez. Putain. Bon, allez, genre, on va s'arrêter là. Sur, cette, sur ces quelques morts d'Abby qui sont très. Très appréciables. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis. Ah, dans quelques heures, comme d'habitude. Ou à demain pour la suite. J'espère que le jeu vous plaît autant. Bon, on va arriver dans un passage peut-être un peu chiant, je pense. Enfin, moi, ça va me saouler un petit peu le fait de contrôler Abby et pas Ellie. Mais bon, ce n'est pas grave. On verra un peu son, son passage à elle. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!